of madness. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Bounty Hunter. Radiant team pick. Je vous déteste. Bonjour à tous. Donc comme d'habitude, j'ai rien de parler dans le vide. Mais c'est pas grave, je ferai pas mon intro. J'ai juste vous souhaiter la bienvenue sur la Frigate TV. Vous annoncer qu'on va se rester une bonne partie de la journée ensemble puisque d'une part Voja et Lulu ne sont pas là pour le moment. Et d'autre part, on devrait avoir du Dota continuellement jusqu'à... Alors ils ont lancé jusqu'à peut-être 1h du matin. A savoir, donc on est en demi-finale de la DreamHack, il nous reste 4 équipes, Notary Hunter, Empire, EG, Fnatic. Donc Notary Hunter qui va affronter Empire maintenant, EG qui affrontera Fnatic juste après. Ce sont des BO3, je crois que la finale est en BO5, si mes informations sont correctes. Et donc on va tout faire à la suite. Et on pourrait terminer cette journée jusqu'à 1h du matin si toutes les games durent bien longtemps et qu'on a, on a un peu de spectacle. Ce qui serait pas mal, puisque cette DreamHack nous a déjà réservé pas mal de surprises. Et surtout un bon niveau de jeu global, on était assez surpris. Dans l'ensemble, les équipes qui délivrent du beau jeu, notamment Notary Hunter, Notary Hunter qui nous avait beaucoup impressionné hier, qui vont donc aujourd'hui affronter le... plus ou moins l'ogre Empire qui est une équipe très impressionnante depuis la fin de l'international, qui s'est créée d'ailleurs à ce moment-là, qui sont beaucoup entraînés. C'est une des premières équipes à s'être vraiment entraînée à la sortie de l'international, ce qui expliquait leur premier résultat très très rapide et très efficace. Mais depuis, ils n'ont pas baissé la cadence et ça commence à être une équipe qui fait vraiment très très peur en Europe. Avec un style de jeu très agressif. Ils ont malheureusement pour eux pas leur line-up complète pour ce tournoi, puisque Blow Your Brain n'est pas là, qu'il est remplacé par Sox, qui joue ici sous le pseudo Titou. Donc qui est un joueur français, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué chez MTW, et il va rejoindre MYM dès la fin de ce tournoi. Donc c'est un très bon joueur, mais bon, on a quand même senti qu'il n'avait pas spécialement le feeling avec ses... Avec ces Russes, c'est évidemment des grands joueurs, hein, donc tout le monde joue bien ensemble, mais bon, ils n'avaient pas cette complicité qu'ils ont avec Blue Your Brain, qui est à mes yeux un des meilleurs carrés européens, donc on va voir comment ça va se passer pour Empire, surtout que, je vous en parlais, Notary Hunter a été très très solide. Ils jouent un jeu assez défensif, beaucoup basé sur les pools. Ils ont des supports qui vont faire des pools à peu près partout sur la carte, que ce soit dans les bois ou au niveau des anciens. Et ils se font rarement choper hors de position. Et quand ils décident de passer l'offensive, généralement ça se passe plutôt pas mal pour eux. Donc un style de jeu assez solide de la part de Notary Hunter depuis ce début du tournoi. On va voir ce que ça donne face à Empire, qui devrait tenter de les faire bouger. On sait qu'Empire c'est du jeu russe. Pas le russe que vous connaissez en pub, le jeu russe de base, c'est un jeu très très agressif. C'est un jeu qui va pas hésiter à dive, à prendre des risques, à aller chercher des kills, quitte à perdre des héros pour ça, et à capitaliser sur le moindre petit avantage qu'il pourrait prendre. Et ça pourrait peut-être déranger ces Notary Hunter. Ça devrait même sûrement déranger ces Notary Hunter. Alors on va regarder un peu le début de draft qui a été fait, donc le Wisp qui a été viré contre Empire, ça c'est une logique. Wisp, Empire qui adore jouer le Wisp. L'Undying qui a été retiré aussi. Un héros très très embêtant de cette version, même s'il est commence à être plus ou moins géré par les équipes, commence à apprendre à jouer contre. Et ce qui est plus étonnant, c'est les bans côté Empire qui ont retiré. Donc le Lone Druid, c'est pas une surprise, on sait qu'en face il y a Admiral Bulldog, la personne qui joue que Lone Druid. Ça veut pas dire qu'il est mauvais avec les autres héros, ça veut dire qu'en pub, 95% de ses parties il va les jouer avec le Lone Druid, et il est très très bon avec. Il a d'ailleurs roulé sur je ne sais plus trop qui avec en quart de finale. Et surtout le Life Stealer qui vient se glisser dans cette phase de ban, je saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Et c'est assez étonnant de voir le Life Stealer si tôt dans la phase de ban.
Et donc Empire qui a décidé de first pick la Batrider, Over, le Magnus et le Bounty Hunter qui est encore dispo dans le pool, qui vont être du coup saisis par le Tide Hunter. Notez que le Darkseer a été aussi complètement ignoré dans cette phase de pick et de ban, lui qui était un first pick récurrent il y a encore quelques mois, quelques semaines, hein, même pendant ce tournoi. Mais bon, qui visiblement perd un peu en... D'une part en efficacité, ça se ressent, et d'autre part en popularité au niveau des joueurs. Et donc il est juste complètement ignoré pour l'instant. Empire va ensuite enchaîner avec Jakiro Sven, un début de draft très très agressif hein, pour Empire. La bat devrait être solo mine. Le Jakiro Sven pourrait très bien compléter une tri-lane. Ce sera probablement une tri-lane chez nos Tidehunter. Et Tidehunter va répondre juste avec un Venomancer pour l'instant. Un héros de support plus ou moins basique. Assez défensif quand même de base, puisqu'il va servir quand même de ses Plague Ward pour donner beaucoup de vision. Un héros qui est très très efficace en contre-engage. Empire va donc décider derrière de nous prendre la TA qui a été elle aussi complètement ignorée. J'avoue que j'avais oublié ça. C'est étonnant de voir des héros comme Darkseer TA complètement squeezés. Alors la TA, on a vu quand même qu'elle avait été bien gérée par certaines équipes hein, depuis le début de tournoi. Encore une fois, d'une part on apprend à jouer contre, d'autre part il y a des héros qui la contre bien, qui rentrent facilement dans le pool de héros comme le Batrider, comme le Jakiro, comme le Bounty Hunter. Donc c'est plus un héros qui a le même impact qu'à l'international par exemple, où c'était vraiment first pick, first ban, enfin quasiment. Et Lina qui est pris derrière par notre Tide Hunter en tant que second support, intéressant, pourquoi pas. Maintenant pour l'instant ils n'ont pas grand chose pour permettre de poser le stun Lina. Qui est un de leurs seuls disables. Empire va nous prendre le Bane en dernier. Et alors je pense qu'ils vont envoyer Sven, Jakiro, Bane en tri-lane chez l'adversaire. Puisque la Batrider pourrait être un héros de hard lane, mais c'est pas forcément le plus efficace. Et je les sens bien partir en hard lane, c'est Empire. Même si il pourrait très bien me faire mentir. Hein. Mais je sais pas, j'ai un feeling qu'ils vont partir. Essayer de titiller chez nos Tidehunter chez eux. Tidehunter à qui il manque pour l'instant le héros de Loda, leur main carry. On aura probablement le Bounty Hunter en hardlane, le Magnus solo mid et Venomancer Lina en support de le héros qui va être pick maintenant. Probablement pas trop de surprise hein, en termes de ligne. Les picks d'ailleurs sont aussi assez classiques. Juste le Bane peut-être qui sort un peu de l'ordinaire, qui a un héros de support qui est très très joué par Empire. Qui apporte donc cette ulti toujours sympa, qui passe sur BKB, qui permet de disable une cible. Et qui est un héros globalement dur à tuer. Ce qui est pratique quand il y a un Bounty Hunter en face, c'est ça quand même que vous voulez, c'est des héros compliqués à faire tomber. Parce que sinon Bounty Hunter peut juste les farmer. C'est le Void qui va être pris par notre Tide Hunter, c'est un match-up qu'on commence à voir de plus en plus. Cette réponse au Sven qui est le Void, on en parlait hier, le Void qui est juste très très efficace contre tous les héros de mêlée, puisque bah, avec sa chronosphère il peut la poser très très facilement sur ses carries de mêlée et notamment le Sven. Un peu de couper ce Sven qui vous courrait dedans, on n'a pas beaucoup de moyens de le gérer lorsqu'il est en BKB. Il faut un sort qui passe sur BKB, on a vu des Black Hole et pourquoi pas une chronosphère. Loda aime bien jouer le Void en plus, il a beaucoup joué depuis quelques temps donc. Donc ça ne paraît pas illogique. Alors, étant donné que c'est Fnatic qui joue la Batrider, c'est possible qu'ils partent en hardlane. Et que du coup, ils fassent une tri-lane chez eux, les Empire. Avec pourquoi pas le Bane qui pourrait faire les pull mid pour la TA. Maintenant... Je sais pas, on va voir. On aura en tout cas assez rapidement la réponse de qui va où sur ces premières minutes de jeu. D'ailleurs, suivre un peu ces Empire. D'ailleurs, qui a pas l'air pressé puisqu'il s'est mis à s'entre-slip les uns les autres. Et la Batrider serait effectivement en bas. Elle est partie. Je mute sur la Dota TV, c'est vrai, merci Ymir. Hop, bonjour Dota TV. Sur la variété, bienvenue à la DreamHack. Donc, la Batrider qui sera effectivement en safe lane, elle est partie. Est-ce qu'on lui a donné de la régène? On lui a rien donné du tout si on lui donnait des dust quand même. J'en ai bien que ça faisait un peu beaucoup de sous pour tout le stuff qu'elle a sur elle. Donc il va être opposé au Bounty Hunter, d'où les dust. Hein. S'ils nous font les Tide Hunter. Waouh! Quel est ce stuff sur le Venomancer? Alors à mon avis, une strat prévue. Là, il y a quelque chose. Parce que le fait qu'il mange ces deux arbres là.
Alors on sait quand vous êtes radiant, il y a un moyen de faire les anciens assez facilement, qui consiste en fait à les poules, donc dans ce bosquet ici là, et en fait vous mangez un seul arbre et du coup les creeps se bloquent un peu à cet endroit-là, et vous pouvez les tuer. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui est possible en d'ailleurs, je ne sais pas. Le cas c'est le monteur qui est parti donc avec rien du tout. Et qui s'attend visiblement pas à ce que qu'Empire soit en train chez eux. Parce que là, Empire est parti vraiment sur la Batrider solo contre le Bounty Hunter, avec les Dust pour le gérer. Va pas être trop compliqué pour elle. Mais c'est peut-être plus efficace de jouer avec des sentries, je trouve. Mais bon. Et donc on aura le Bane avec le Sven en haut. Le Jakiro pour l'instant reste mid, donc je pense qu'il va quand même rejoindre ses coéquipiers en haut. La TA a pas besoin de lui pour tenir le Magnus. C'est massif ce que nous fait ce Venomancer. Est-ce qu'il va vraiment rester à faire les anciens toute la game avec ses wards? Je suis désolé, hein, j'ai pas trop regardé ce qui passe sur le reste de la map pour le moment, mais j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer ici avec ce Venom. Qui va commencer par faire doubler son histoire. Je pense qu'il va se faire ça. Hein. Il va se faire un mur de Plague Ward à cet endroit-là. Hein. Lina, elle a envie de pull les petits, du coup on a un Faceless Void qui est absolument seul et Empire qui décide de pas jouer agressif sur ce Void. Pour l'instant c'est quand même très étonnant. Oh, c'est ça. C'était ça sa stratégie. Il a trouvé un moyen pour pull les anciens. Parfait putain. Absolument parfait ce que vient de faire Eternal Envy. Qui va du coup pouvoir se farmer les anciens et enlever la vague de creep de la Batrider. Enfin du Bounty Hunter pour la Batrider. Et ça c'est vraiment infâme. Bon là il doit faire quoi? Il doit attendre celui que ça ward des pop. Et ce qui est étonnant c'est qu'ils sont à 3 du coup solo contre un Void qui laisse absolument tous tranquilles les Notaines. Regardez, il a 4 de CS le Void. J'adore cette. Regardez, il s'est fait un petit chemin ici. Hop! Il attend un peu et il bloque. Et du coup, il a deux creeps qui vont venir ici. On prend notre coup de tour. Oh, il a raté l'aggro ici. On va quand même lui donner un creep. Du coup, il est déjà level 2, le maintien. Oh, le Void a pris beaucoup de dégâts là-haut. Il va s'en sortir. Le Magnus lui récupère une haste. Un truc, c'est que il est quand même bloqué hein, parce que là il faut qu'il attende que ça ward des pop avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Concept est très marrant en tout cas. Bon, ce qu'il faut bien voir c'est que la faiblesse de leur pick là à Not Under, c'est qu'ils ont Void Lina en haut, ce qui est une ligne très très faible. Contre une tri-lane, un Jakiro Bane Sven qui est bien bien plus puissante. Et pourtant, pour l'instant il n'y a pas trop de soucis alors qu'on a un Gale qui parle sur Phoenix qui a joué très agressif là-bas sur Bulldog. Qui va devoir activer son Firefly pour s'enfuir par les arbres. Ouais, on va quand même contester les poules côté Empire. Par commide. La TA s'est fait ramener sous sa tour. La Batrider qui va récupérer le Bounty. Mon dieu, j'ai complètement loupé ça. J'ai un peu occupé au mid. Scandale, c'est quand même fait bien bien engagé par SK Tyrant Haste. Qui va lui mettre un bon gros coup de pression. Qui va lui forcer à utiliser toutes ses charges de bottle. Très très bien joué du coup de la part de la Bat en bas. Qui surprend complètement ce Bounty Hunter. Elle a outfarm complètement d'ailleurs. Elle a 15 de CS contre 6 pour le Bounty. Malgré les pulls, ça se passe pas bien pour le Bounty Hunter. Et ce Void qui a déjà complété ses boss. Je suis vraiment étonné qu'il laisse vivre en fait ce Void. Bon là, maintenant qu'ils ont pris un peu de level, ils vont commencer quand même à bien le faire chier. Ça pull un peu dans tous les sens. On va voir si la Bat décide d'aller emmerder ce Veno. Qui est reparti pour faire son petit trick. Hmm.
Est-ce que ça va prendre vraiment cette fois-ci? Il n'y a qu'un seul. Oh, la batte qui arrive, voilà, la batte qui va embêter ce Venomancer qui est déjà pris dans un stack de Napalm. Et il va se faire ramener un peu en arrière. Le deuxième stack de Napalm qui est posé maintenant par Fennec. Et dernière envie qui décide d'aller proche de sa tour. Il a peut-être pas choisi la bonne tour. Fennec qui va ne pas hésiter à y aller, qui va mourir sur le chemin, mais qui va récupérer le kill. Je vous laisse voir si c'est worth it ou pas. Pour lui, ça fait un kill, ça fait de l'XP, ça le fait passer level 6. Mais ça fait du coup revenir un peu le Gondar dans la partie. Et le Magnus qui a l'air d'avoir été forcé à rentrer à la fontaine par par la TA, j'ai un sentiment. Là, qui domine plus ou moins le mid pour l'instant et la légère avance en termes de CS. Rien de foulichon. Je comprends pourquoi ils vont pas tout lui mettre quoi. Certes, le Bane n'est que level 2, mais. C'est un Void qui a pas de régène HP. C'est-à-dire que là, s'ils lui mettent un gros coup de pression, bah il a plus de régène. Et il doit rentrer à la fontaine. C'est complètement gratuit pour lui, pour eux. Ça leur coûte un stun Sven, c'est vrai. Sven n'a pas beaucoup de mana pool, mais. Quand même étonnant quoi. Et ils en profitent du coup, ils ont décidé de poser leur domination en faisant plein de pool. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment marrant ces nouvelles games où ça pull à peu près sur toutes les lignes, dans tous les sens. Le Venom qui a complété des bots d'ailleurs. Ah, son passage est terminé. Alors là, il va juste le faire doubler visiblement. Enfin, tripler, quadrupler. Pour que le Void puisse les faire, je pense, ou le Magnus. Pardon. A savoir que n'importe qui a du cleave quand on a un Magnus dans sa team avec l'Empower. Vraiment étonnant cette histoire. Oh, et on va partir sur la ligne à la bas qui était un peu esselée, qui va prendre le slip. Là, il se passe à suivre le stun de la part du Sven. Et la Lina qui implose. On a deux TPC. Admiral Bulldog à TP avec son Bounty en premier. On va partir sur le Jakiro. La traque a été posée. Le Void qui tente un peu de body block. Qui pourrait juste attaquer. Ah, il a pas pris le time lapse. Non, c'est exactement. Si, le time lock, pardon. Oh, et le Magnus qui charge par en dessous. C'est très bien joué. Et Goblack qui va être récupéré par ce Magnus. Bon backup de la part des No Tidehunter. Ça leur coûte quand même cher. Ils ont TP à 3. Pour un Jakiro. Mais bon, ça reste un échange à un point finalement. Le Venom qui est en train de vraiment de faire doubler, tripler, quadrupler ce poulain. Ah, on va avoir une très très grosse stack. Ah, attention, le Booty Hunter qui est sur place aussi au mid. Peut-être embêter un peu Scandale. Allez, la traque a été posée. Scandale qui a un petit trap qu'il va pouvoir utiliser. On n'a pas de mana sur S4 pour l'instant. Et ça va suffire. On parlait des stacks, la Lina elle aussi qui est en train de faire des stacks dans les bois, il y en a un triple ici. Elle en a fait autre part, ouais, il y a un double là. Le Ven qui s'est ramené une bottle, ainsi que des power trades. Oh, le Sun qui va partir, l'Oda qui a juste fait beaucoup trop le fou. Silent qui est là pour lui faire un brain swap, ça ne suffit pas pour récupérer le key pour l'instant. Mais au moins, voilà, ça va le ramener à la fontaine, à moins que Ake décide de lui donner une salle. Ça va être le cas. Et la Batrider qui a réussi à trouver le Venom sur là-bas, qui va lui mettre l'ulti, qui va esquiver le gale. Très très bien joué de la part de Fennec, qui du coup va pouvoir s'enfuir assez facilement. Il va tempo la rune est top, la rune est top, c'est une invisibilité pour Goblack. Oula, il s'est bien énervé ce Jakiro quand il a repris la rune d'invisibilité. Il va probablement faire la même sur la Lina. Qui s'est fait slip, c'est un slip que level 1 qui est bientôt fini. Goblack qui a pas lancé. Oh là là, l'espace qui est loupé. On a un TP derrière. Le Booty Hunter, ils vont essayer de refaire la même les NTH. Pourquoi pas récupérer ce Bane qui est un peu isolé là-bas. Allez, la traque a été posée. Il faut réussir le stun de la part de la Lina maintenant. Le stun est loupé. Mais bon, il a pas de TP Silent. Et Bulldog fait juste très très mal, juste aux auto-attaques. L'espace aussi qui va arriver. Oh oui, très bien joué de la part de Goblack. On n'a pas de mana pour le Shuriken pour l'instant. Pour ce Booty Hunter. Qui rattrape quand même ce Bane. Et la chrono qui a été posée très bien joué de la part de l'Oda. Qui va permettre de récupérer ce Bane et d'enchaîner peut-être derrière sur le Sven. Le Sven qui va se faire track. Pour ça, il y a un peu de bagarre là-bas sur le côté où le Jakiro se fait récupérer. Mais on est sûr qu'il lui a bloqué le chemin avec sa ward. J'ai l'impression. Et 4 à 4 pour l'instant. Avec quand même une grosse avance de CS hein, en termes de. Du côté Empire, ils sont 3 au-dessus des 40, alors qu'en face, le maximum étant 26 pour le Magnus.
Dire's bottom tower is under attack. Et donc en termes de gold et en termes d'XP, Empire est devant, c'est pas monstrueux, monstrueux pour l'instant. Mais bon, ça pose des bonnes bases. Ça veut dire du coup que ce... Oh, le Venomancer qui pose genre deux wards l'une à côté de l'autre. Étonnant. Alors elles avaient vu quand même Oh, le Jakiro qui va venir bloquer ce pool. Alors que j'ai l'impression que ce scandale s'est fait go au mid. Il va prendre un gale, il va tenter de TP. On a la charge du Magnus qui va être là. Voilà, il va leur faire reculer un tout petit peu. Scandale qui met pas mal de dégâts au Venomancer qui va tenter d'enchaîner un peu sur le Magnus. Il leur fait mal, mais ça suffira probablement pas. Quoique. Quoique. Un truc a été posé. Et ça va passer. Pour nos Talent Hunter, derrière, on a la Batrider qui arrive, qui va pouvoir récupérer ce Venomancer. Très très joli de Flame Break de la part de Phoenix. Et on a l'envie qui devrait tomber, on va enchaîner d'être sur le dessus. On a le Bane qui est là, qui a récupéré le Magnus. Le Magnus qui va se faire déslip par la Lina. Mais du coup, la Lina, elle, se sacrifie un peu pour son coéquipier. Magnus devrait s'en sortir. On a le Void qui a pas de mana au-dessus. Pas beaucoup de vie d'ailleurs. Et le Bounty Hunter qui est toujours là pour Scoot. C'est qui ping ici? C'est scandale qui a ping. Oh, il faut pas leur laisser faire le stack. Ah, il y a beaucoup d'argent ici. Il pourrait y avoir plus, mais il y a beaucoup d'argent. Ici aussi. Et ici aussi. Empire qui met pas mal de pression là pour l'instant sur nos Tide Hunter. Ce qui veut dire que bah, ils ont plus forcément le temps de farmer leur pool. De continuer à faire des pools d'ailleurs. Ou attention à Sox qui est tout seul ici. Qui va se faire traquer à pouvoir stun. La chrono qui a été posée. Oh non, le Jakiro qui rentre dedans. Et du coup la Lina va pouvoir poser son stun. Elle va pouvoir mettre son... Oh oh oh. Sox, très low HP. Ça passe pour l'instant. Oh non, le bash de la part du Void qui va condamner ce Sven. Et le stun Lina qui vient sauver ce Bounty Hunter. Très très bien joué. A noter qu'on a une Lina qui joue avec un point dans le Fire Soul. Si j'ai bien suivi l'histoire, c'est quelque chose qui se fait sur HON. Un petit slow qui est parti au mid sur S4. Oh, il prend cher. Hein. Il prend cher, il a pas sa charge. Et bon, on a un TP qui a fait back scandale. Erwin qui va pas tarder à pop. Parklina est en place pour faire un nouveau pool. Ils vont faire doubler celui-là. Le Venomancer est là aussi pour faire doubler celui-ci. Alors je sais pas s'ils vont pas bloquer avec cette Ward Veno qui va dépop. Ouais, mais la Ward Veno qui a bloqué. Pas de chance. Derrière l'ulti Batrider à utiliser sur S4 qui a pour utiliser sa charge, mais ça ne sauvera pas de la Batrider. Vous voyez Empire qui pose des wards très très offensives pour contrôler vraiment tous les bois adverses et les empêcher de faire faire leur pool. C'est très très intelligent de la part d'Empire qui peut-être tenter de prendre cette tourmine. On voit que la TA est vraiment en train de push, mais la tour est toujours full HP. Ils vont faire les stacks tout simplement par une très très bonne option de la part d'Empire. Mais ça va tenter de dive au mid. On est parti en smoke. On a le Bane qui est arrivé, qui va pouvoir mettre son ulti sur ce Venomancer qui se retrouve tout seul. L'ulti Bane qui va être cancel, mais le Venomancer va quand même tomber. Il est pas encore level 6, donc pas d'ulti. Très belle ulti d'avoir du Magnus qui va récupérer le Bane et le Jakiro. La Lina du coup se retrouve pourquoi pas à rêver de s'en sortir. Et là, la Batrider qui est assez low HP, qui va utiliser son stick et se faire tomber. Et derrière, il y aura Scandal qui est poursuivi. Scandal qui décide de fight. Ils sont deux sur lui, mais les deux sont assez low HP. Lina d'ailleurs a fini par mourir, je ne sais pas trop, probablement par cette TA qui est assez dans la merde, qui va se mettre en invis, mais ça ne suffira pas puisqu'elle est track. Elle est poursuivie par les trois et c'est le Void qui récupère le kill. Et une très très bonne opération de la part de Tide Hunter. Empire qui s'est un peu senti pousser des ailes. Alors, ils étaient en 4v5 ceci dit, et ils devraient prendre cette tour top, à moins qu'on ait un Void qui TP, un Void qui a une chronosphère. Mais honnêtement, ils ne devraient pas l'utiliser là-dessus. Sven a eu le temps d'activer son Warcry. Il y en a quelqu'un qui a TP en bois en haut, c'est le Bane qui va venir rendre une petite visite à l'Oda. L'Oda qui fait une belle game mais qui farme pas beaucoup. Hein. On va avoir trait de 1200 gold pour l'instant. C'est qui va rejoindre cette ligne top? C'est la Batrider qui arrive, qui est en smoke, Kassa d'ailleurs. Et attention parce qu'on a beaucoup de gens quand même dans le coin côté Nota Janta. Lina est en backup. Allez, c'est parti, le stun qui est parti du Sven sur le Void. Le Void qui va se faire grappin maintenant. On a l'ulti du... Putain, mais il tank tout. Il va pouvoir s'en sortir. Non, le Bane qui est là. Il backtrack les attaques pour l'instant. Ah, ça ne suffira pas. C'est Sven qui récupère le kill.
Et la Dina qui est forcée de reculer pour l'instant. Le Magnus qui arrive à son tour. Et en bas, la Terra qui tente de faire tomber les tours. Le Moon Thunder qui va partir sur un Vladimir. Ça va lui permettre d'une part de faire tous ses stacks, et d'autre part peut-être de débloquer un Roshan avec l'aide du Void. Ouh, Scandale qui a réussi à récupérer la tour à droite mais qui est quand même sacrément dans la merde. Oh, il a réussi un joli juke. Ah non, ça n'a pas passé du tout, il va se faire charger en arrière, et le kill qui est récupéré par le Magnus. Et pendant ce temps-là, Empire continue de push mid, hein. Ça joue vraiment bah, comme jouer Navi il y a quelques mois. Il y a de l'action partout. Et on n'oublie pas qu'il faut prendre les tours. Oh, le Void qui va réussir une belle chrono, ça prend deux personnes. Mais le main a réussi à rester en dehors. Ce qui est dommage, c'est que ce main il a pas skip le Void. Il a skip la Lina qui a du coup pas pu stun par dessus. Ce main devrait tomber, il est assez low HP, il a 3 personnes sur le dos. Il a un brain, ça va venir, il a décidé de fight sur la Lina. La Lina qui a un stick, ça va lui sauver la vie pendant ça. Sur la gauche, qu'est-ce qui se passe? La Batrider qui est assez low HP, qui va quand même pouvoir récupérer le Magnus. Magnus qui a l'air d'avoir utilisé son ulti. Le Venomancer qui a mis un bel ulti, ça va permettre de tuer ce Sven. Oui, le Sven va tomber. Le Jakiro et le Bane sont à la poursuite d'une part du Venomancer sur la gauche. Venomancer qui va esquiver ce Dual Breath. Peut-être tenter de fight. Pourquoi pas si le... Oh, il rate le Gale. Bon, ça c'est dommage. Et pour ça, la Lina s'est fait récupérer par le Bane. Et la Goblack avec son Ice Pass, il devrait récupérer ce Veno. Non, pas du tout. Il est déçu, il a envie d'avoir raté son Gale. Je sais pas où est-ce qu'il va. Il va se faire slow par la TA qui arrive. Alors je pense qu'il va essayer de mettre une ward là, pour fermer le chemin, c'est ça. Il va essayer de les duke, il a sa Killing Blade, ah mais ça passera pas. Ça passera juste pas du tout. Et le Void en bas qui va partir sur Maelstrom, intéressant. Je pense qu'il a plus que ça comme composant. Ah, il est mort quand même ce Void dans la dernière fight. Mais c'est donc qu'il achète le récif du Maelstrom en premier. Qu'il a rien acheté d'autre. On va voir, je pense qu'il a... Il doit avoir un composant quelque part. Si j'arrive pas à trouver où pour le moment. Et mine de rien, ce Magnus qui est bien shutdown pour l'instant, qui est très loin de ça d'ailleurs. La Terra, elle, a déjà récupéré la sienne. Alors Loda... Ben non, pas du tout. Donc il farme très très peu Loda avec son Void. 44 de CS, minute 16. C'est pas ce qu'on voudrait d'un hard carry, maintenant il a été quand même sacrément laissé tout seul. Et il va pouvoir recover assez vite, hein, le jour où ils arriveront à faire ce stack, le Tidehunter. Et je crois que le Bounty Hunter a complété son Vlad. Ça pourra ouvrir la porte de Roshan. Je rappelle qu'ils ont 3 héros de mêlée, les Tidehunter. Ils ont le Magnus, ils ont le Void, ils ont le Bounty Hunter. C'est les 3 héros qui vont bénéficier du Vlad. Et donc ça peut débloquer un Roshan assez facilement. Goblak qui va aller check sur Roshan justement. Même s'il fait track. Ah non, ils savent en fait que les Notary Hunter vont tenter de faire le stack. Sven qui est un peu poursuivi, qui va activer son Warcry. Pour s'en sortir, on a un slip qui est parti de la part d'Admiral Bulldog alors que la chrono a été posée sur Sock. Mais Sock c'était encore sous Warcry. Du coup il a plutôt bien tank, qui va réussir à mettre un stun sur deux personnes et tenter de fight. Mais il est un peu laissé tout seul pour l'instant le petit Sock. On a Scandal qui vient l'aider. Et aïe aïe aïe, le petit Magnus qui va venir les sécher. Bon ça, il y a un peu de bataille sur le dessus. Qui est-ce qui est mort? C'est le Bounty Hunter qui s'est fait tuer. Le Venomancer va se faire récupérer en même temps que la TA. Et le Void qui va pouvoir s'enfuir sur le dessus. C'est bien joué de sa part. Et on est sur un trade à 3 pour 2, sauf que c'est deux héros importants qui sont tombés côté Empire. La TA et le Sven. Le main va s'acheter des Arcane Boots. C'est vraiment une game sympa pour l'instant, ça bouge beaucoup, c'est très équilibré entre les deux équipes. 8000 gold d'avance pour Empire. Ah là là, la Suède. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Eternal Envy a mis une pause parce qu'il avait les mains beaucoup trop froides pour pouvoir jouer. Et il faut savoir que la DreamHack se tient évidemment en Suède, alors je sais pas s'ils ont du chauffage là-bas ou pas, mais c'est vrai qu'au mois de novembre en Suède, ils doivent pas se faire très très chaud. On va profiter pour jeter un petit coup d'œil au tableau des scores. Alors Cascade fait une belle game avec son Magnus, même s'il sort pas beaucoup de stuff. C'est le cas en fait de tous les Notaynoters qui font... Ils jouent tous plutôt bien. Mais y a personne qui sort de stuff, ils ont pas le temps de farm. Et c'est plus ou moins le cas aussi côté Empire, sauf qu'Empire arrive à prendre les tours.
Alors que toutes les tours, vous le voyez encore côté Empire, sont debout. Ça rappelle vraiment Navi d'il y a 6 mois. La façon dont il joue. De l'agression partout. Et on prend les tours sans en perdre. C'est vraiment intéressant. Et nos Tidehunters qui se regroupent encore une fois. Ils veulent protéger ce pool d'anciens. Protéger Roshan aussi d'ailleurs. Puisqu'Empire vient de rentrer dedans. On a un stun qui est parti immédiatement sur le Sven de la part de Roshan. Enfin, un bash plutôt. Chicken qui est sur place aussi, qui ramène des sentries. Ils vont vraiment essayer de le faire. Alors le Void est à l'autre bout de la map, il a son TP de près. Il n'y a pas la chrono. Est-ce qu'ils sont au courant? Non, ils sont pas au courant du tout, ils vont laisser un Roshan et gratos à Empire. Pourtant ils ont bien une ward ici. Oh mon dieu. Je sais pas si c'était volontaire, ça a l'air d'être volontaire puisque... Qu'ils devaient être au courant avec la visio qu'ils avaient. Et ils vont même se permettre de farmer le stack ici. Oh attention parce que Titou est assez low HP avec son Sven. Il va d'ailleurs se faire one shot. Lucky Magnus qui est parti en dessous, qui va se faire choper directement par la Batrider. Mais ouais, les Empires sont quand même sacrément pas bien. On a la chrono qui va arriver maintenant. La Gis qui va être récupérée. Qui c'est qu'il avait? C'était Scandale qui va pouvoir blink sur le dessus, récupérer le Venomon, se enchaîner derrière sur la Lina. Mais il est un peu seul avec sa TA pour l'instant. Il va récupérer sa dagger dans 5 secondes, ce sera beaucoup trop tard pour lui. Et Empire qui s'est juste senti pousser des ailes à tenter ce stack maintenant. Et qui s'est bien fait finir par nos Tidehunters. La Bat qui a envie de tenter quelque chose. Je commençais par des wards. Est-ce qu'ils vont tenter de la suivre? Il y a eu un petit bash du Void, ça aurait pu passer. Bon, la Bat, elle a son force staff. Et là, sa dagger, elle est quand même dure à attraper. Et alors, qu'est-ce que nous dit cette escarmouche? Bah voilà, on est retourné à 0 en termes d'XP. Et en termes de gold, ça revient aussi en faveur de nos Tidehunters, qui a en plus pu farmer le stack. Il y avait beaucoup d'argent ici. Et du coup ils reviennent plus ou moins bien sur Empire, c'est nos Tidehunters. Oula, au moment où je me commençais à boire, on a le Void qui s'est fait enchaîner au mid. Ils n'arrivent pas à placer l'ice pass malheureusement. Et la Batrider qui va tenter de chasser ce Void. Ce Void qui a plus que 150 HP. N'hésite pas, bon sang, il y a un peu de bagarre sur le dessus. Où le Sven et le Bane se sont fait choper. La Lina qui va mettre son ulti. Titou qui est toujours en vie pour l'instant. Le Void s'est fait récupérer par la Batrider. Le Zen va tomber à son tour sur la gauche. Le Ben qui va tenter de s'enfuir. Il a son ulti qui est de retour. Ah, c'est compliqué à placer un. Et le Magnus qui va juste tout dessus pour le terminer. Du coup, ça fait un trade à 2 pour 1. Le Void pour le Sven et le Bane. Et encore une fois, Sorks qui a du mal à jouer avec Empire. Hein. 1-5-5. Il est vraiment pas dans son élément. Alors qu'Empire à l'inverse fait une très très belle game. Nos Tidehunters fait une très belle game. Bon, Empire aussi, tu vois bien. Tu joues juste bien en fait. Et on va tenter de prendre la tourmine maintenant, mais la batterie là n'est pas tout à fait de cet avis là. Juste un petit flamebreaker va faire reculer les nos Tidehunters. Qui ont pris leur première tour tout à l'heure en prenant la tour en bas. Et ce Void a complété un Madness depuis son Mjolnir. Oh merde, comment j'ai pu louper ça? Le Venomonteur qui s'est fait louper, qui se fait récupérer mid par la Batrider avec son ulti. Oh, le Sven qui a croisé le Magnus, qui va juste voler ses creeps. Le problème c'est que ce Sven il a besoin de BKB, et BKB sera pas suffisant parce que... Même avec BKB il sera toujours pris soit dans l'ulti des Magnus, soit dans la chronosphère. Je trouve que c'est une très très bonne réponse sur le pick des nos Tidehunters face à un Sven. C'est qu'ils ont deux trucs qui passent sur BKB et que ce Sven quelque part ne sera jamais un problème. Jamais un énorme problème. C'est vraiment une très bonne réponse de leur part. Et le Bounty continue à farmer ses anciens. Alors ce que décide de faire ce Void, s'il va compléter son Mjolnir ou pas.
y en a plein de gens qui se regroupent en ce moment, qui vont aller se mettre derrière ce void. Espérant que qu'Empire morde à l'hameçon. Ils sont absolument tous sur place. Une qui continue de noir. La Théa qui les a tous vus puisqu'elle est invisible. C'est très chanceux pour Empire d'avoir cette Théa à ce moment-là ici. Empire qui du coup va en profiter pour push. Probablement les autres lignes. On voit le Zven qui se dirige en bas. Non, il a envie de rejoindre ce coquille étable. On va défendre en haut. Monde qui se déplace sur place. Un stun qui est parti sur le Magnus. Il pourrait juste le tuer ce Magnus. Hein. D'ailleurs, la Bekabek a été utilisée sur le Bounty Hunter qui tente de man-up contre le Zven. C'est pas forcément la meilleure des idées. L'Avatrider qui a chopé ce Void, le Void qui a sa chrono, l'ulti Magnus qui a été utilisé, mais ça ne sauvera pas le Void qui s'est pris l'ulti du Bane. Le Bane qui récupère un double kill en tuant le Magnus derrière. Triple peut-être en récupérant le. Il tue absolument tout le monde ce Bane. La Terra qui récupère elle aussi un triple kill. Et Ake qui est le dernier survivant pour son équipe qui va s'enfuir. Magnifique action de la part du Bane. C'est lui qui a absolument tout fait. Puisqu'il a. Il a permis de récupérer le Void avant qu'il puisse tuer son. Poser sa chrono avec son ulti, ensuite il a récupéré le Magnus avec. Enfin, celui qui a tout fait. Non, c'est pas lui qui a tout fait. Mais il a fait un super boulot en tout cas. Très très bien joué de la part d'Empire là-dessus. C'est vrai qu'on en avait pas forcément parlé, mais le ulti Bane c'est aussi un disable qui passe sur BKB. Et l'autre héros de cette teamfight c'est la Lina qui elle aussi fait un triple kill. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment fait attention à. Un positionnement des sorts de la Lina, mais elle a réussi à récupérer 3 kills là-dessus. Ok, vraiment, vraiment sympa. Ce Magnus, qu'il avait pu choper le Bane. C'est là en fait où le Bane a bien joué, c'est que si le Bane a été pris dans l'ulti Magnus, bah, il n'y aurait pas eu d'ulti Bane, il y aurait eu une chrono derrière et la fight aurait été complètement différente. Et comme le Bane était bien placé sur la droite de la fight, pouvait pas se faire prendre dans l'ulti Magnus, ou alors lui se laisse prendre tout seul. Et du coup ça permet de one shot le Void avant qu'il pose quoi que ce soit. Attention à la Batrider qui est parti en Firefly, qui voit la Lina, qui vient de la révéler, qui l'a vu, qui va lui bing dessus, l'a récupéré au lasso et pourrait se force staff maintenant entre nous. Voilà c'est fait. On va la ramener en arrière, oh là 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 c'est vraiment fort Batrider. Et le stun de la Lina qui est loupé. En tout cas, c'est toujours une game très très serrée, hein. 25 à 25. En termes d'XP et de gold, Empire reprend un peu du pôle de la bête. Ils sont repassés devant en XP. De gold, ça stabilise plus ou moins à plus 5000. Car pas grand chose, hein. Dans le stade du jeu, c'est vraiment pas grand chose. Sur Bounty Hunter qui est parti pour Scout. On sur Kela lui aussi. Et la bête qui a peut-être se faire engage. Non, elle a réussi à se faire staff avant de se faire attaquer. L'ulti Bane qui est parti sur le Void, oh l'ulti Bane a été immédiatement cancel, la chrono a été posée, mais le Void peut pas vraiment fight pour l'instant. Il a activé son Madness, il va pouvoir se mettre plus ou moins full HP, mais s'il fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. L'ulti Magnus qui va one shot la TA. Le Bane sur le bas de la fight qui est un peu dans la merde, qui a activé son Gocepteur pour le moment, mais qui va tomber. La Batrider qui est chaud dans le coin, Tainter qui est complètement coupé en deux, ils ont le Void derrière et le reste devant. Et là ils vont réussir à one shot la Batrider, c'est très bien joué, ils ont réussi à la sniper. Et le Zven qui arrive pas à récupérer ce Bounty Hunter, il reste le Veno aussi qui est là, il faudrait le finir lui. Voilà, c'est bien joué. Le Void qui a très envie d'y retourner, je pense. Ça passera pas. BKB en préparation sur ce Void. Là, les fights sont vraiment confus, ça part dans tous les sens. On est loin des teamfights très bien organisés. Parce qu'il y a tellement de trucs qui passent sur BKB qu'on peut pas tout cancel quoi. On peut pas cancel le Magnus parce que son ulti passe sur BKB. En plus, si on lui cancel la dague, il peut toujours charger pour mettre son ulti. On peut pas cancel le Void parce que pareil, il va toujours trouver un moyen de poser une chrono. Le Bane, ils ont réussi à le cancel. Et en face, il y a aussi comme une Batrider pour foutre la merde. On a aussi un Jakiro qui va pour mettre ses Ice Pass. On peut peut-être go d'ailleurs sur ce Void au mid qui va pouvoir bling pour l'instant. Sur le dessus, on a plus de mana sur le. Waouh! Sur le Jakiro, mais la Théa qui lui a fait énormément de dégâts. Elle vient de compléter son désolator. Elle part maintenant sur du critique. Très très bien joué de la part de Scandale là-dessus. Et le Zven lui aussi va avoir bientôt complété son BKB. Et
quand même récupérer une petite rune d'élu, Sozwen. Bachar qui vient d'arriver sur le Mount Hunter. On parlait de trucs qui passent sur BKB. Bah, s'il décide de nous faire une Abyssal Blade, ça pourrait être un très très bon moyen de d'avoir un nouveau sort qui passe sur BKB. Pourquoi pas gérer ce Sven. Sven qui, pour l'instant, n'est pas un vrai problème. Il est toujours embêtant. On est loin du Sven de Fear qui envoie des critiques à 1006. Il va compléter son BKB. Maintenant, il va commencer à être une menace, vraiment. Il atteindra son level 16 pour le niveau 3 de l'ulti. Encore masse pool qui sont faits dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il fait une belle game mine de rien, hein, avec 19 assists. Y a vraiment personne qui est en dessous en fait. Tout le monde joue vraiment bien dans cette partie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 28-28, minute 29. On est quand même à deux équipes qui ont le même nombre de kills. Sur une gamme de 30 minutes en faisant globalement 2 kills par minute depuis le début quoi. C'est quand même impressionnant. C'est Jokero qui a beaucoup de stuff d'ailleurs. Avec drum plus mecha. Il a un four staff, on a un go scepter qui est arrivé sur le Venos. C'est marrant, c'est que tout le monde a un peu le même stuff. Il a le même stuff que le Bane. Bon, là, il n'a pas le même stuff que le Jakiro, mais ça se vaut. Notalyander qui est passé par derrière. En smoke, on a le Void qui est révélé ici, hein, qui va avoir la l'élu de la TA. Et la Pathfinder qui est partie, qui a chopé ce Magnus, ils vont essayer de le one shot avant qu'il puisse poser son ulti. C'est pas gagné encore, dans l'ulti Magnus qui va être posé. Et S4 qui est toujours en vie pour le moment, le Bounty Hunter qui est dans le tas aussi qui fight. Le Sven qui va devoir activer son BKB et s'en sortir. La chrono qui a été posée qui va choper à la limite ce Sven. Ils vont tout mettre sur Jakiro, essayer de le faire tomber. Buyback de la part du Magnus, buyback de la part du Jakiro, buyback de la part de la Batrider aussi. Et la fight qui part un peu dans tous les sens, très beau stun de la part de Laina qui va sauver la vie du Bounty Hunter pour le moment. Le Hunter qui va revenir mettre un gain, c'est loupé pour le moment. Un stun qui va partir sur l'Oda qui a backtrack les dégâts et qui va quand même finir par tomber. Tous les Empires sont encore en vie, mais au coup de au moins de buyback. Et ils vont aller tenter de se faire un petit Roshan. Est-ce que le Void peut buyback? Non. Le Void ne peut pas buyback. Et du coup, Empire va juste avoir un Roshan gratuit là-dessus. On va voir si on le laissait au Sven qui meurt beaucoup. Non, c'est encore la Terra qui le prend. On a vu à quel point ce Magnus était embêtant. Qui restait très très longtemps dans la fight. Ils ont essayé de tout lui mettre pour le tuer et ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Je sais pas ce qui a fini par le tuer à la fin d'ailleurs. Et Bayer qui a envie d'aller finir la game. Ils sont tous mid en tout cas pour le moment. Profiter peut-être des 20 secondes encore sans le Void. Non, ils vont juste aller prendre cette tour. Et du fait que le vol ne soit plus là. Et s'en aller. BKB qui va être fait par le Bane. C'est marrant de commencer par le récip d'ailleurs. Et le Iron Will. Oh, on a un Jakiro qui va nous faire un Veil of Discord. J'apprécie. Très bonne idée de sa part. Un item qu'on voit assez peu et qui pourtant est très très efficace. Qui est assez intéressant sur Jakiro qui tente déjà pas mal. Qui du coup n'a pas besoin spécialement de plus d'items de PV. Et on se retrouve avec un Jakiro qui a 16 d'armure de base. Parfait. Et l'Oda qui va se faire le petit stack qui était là. Ça va lui faire du bien. On va lui payer son BKB. Et c'est énorme, on est toujours à 30-30, hein. Toujours égalité en termes de kill score. On va tenter de partir sur le Sven en bas, qui vient de s'acheter un TP. Waouh. Peut-être qu'il avait Blink, mais qu'il ne l'a pas vu. Pas fallu de grand chose pour qu'il se fasse choper ce Sven. Il y a un petit bus dans les bois en dessous. Notalyander qui a envie de tenter quelque chose. C'est marrant, c'est qu'ils sont plus trop. La dernière qu'on a vu d'eux, ils passaient la partie de leur temps genre dans leur bois. Et là, leur zone c'est plutôt ça. Genre les bois adverses et leurs anciens. Et c'est une équipe qui joue toujours très très groupée, c'est assez marrant de remarquer ça. Et Empire qui va venir push top en voyant que les Notalyander sont en bas. On va avoir droit à un petit trade. Le glyph qui a été utilisé par les
Le Ténédor, ça sauvera pas la tour. Et ça permettra peut-être de prendre celle en bas. Y'a pas de TP, y'a pas de TP sur le Void. Y'a pas de TP sur le Void. S'ils l'ont vu, c'est Lina qui va donner un TP et qui va devoir y aller. À pied. Quelle erreur de la part de l'Oda. C'est le genre de truc qui peut coûter cher. Elle est posée par terre du coup sa culling. Le mec a pas de TP pour avoir une culling blade quoi, pitié. Dédulus qui va être complété je pense par la TA, elle doit avoir assez, ouais c'est ça. Elle vient d'acheter le Demon Edge, elle achète le récip maintenant. Regardez, c'est vraiment ce que je vous disais, les Nintendo ils sont... leur zone. Leurs boss sont vraiment contrôlés par Empire depuis un moment maintenant, qui a souvent eu de la vision, qui n'hésite pas à faire des petites escarmouches là-bas. Un peu peur, mid, il sait pas où sont les Empire. Ils vont voir cette terre en bas et deviner qu'ils sont donc partis de chez eux. Ah bah t'es complété un cheval, fait une très belle game cette bat. C'est encore Phoenix hein. Phoenix c'est le mec qui a carry avec son Bounty Hunter, qui a carry avec son Bone Fletcher. Il est vraiment au top dans ce tournoi. Ça ping dans tous les sens. Je sais pas si les équipes sont au courant qu'elles se voient l'une l'autre. Alors ils ont dû voir l'avoir de Venom opposé vu qu'elle a attaqué la sentry. Et la Batrider qui va partir encore une fois pour Scout. Qui va voir pour l'instant rien du tout. On va voir qu'un stack a été fait. Oh, qu'il y a un Void, elle a loupé son langage. Et attention parce qu'il y a beaucoup de gens autour. Hein. Il y a beaucoup de gens, Jakiro qui va être là en cover. Et derrière le Bounty Hunter qui tente d'engager. Oh là, très belle ulti de la part du Magnus. On va peut-être tenter de mettre la Chronosphère par-dessus. Non, même pas besoin. Deux kills déjà récupérés. Le Bane qui a posé son ultime, il est absolument seul ce Bane. Et il va juste se faire ouvrir, non pour l'instant il survit. Selina lui fait quand même beaucoup de dégâts, elle va d'ailleurs récupérer le kill. Magnifique ce que vient de faire NTH. L'ulti Magnus qui a vraiment fait la différence là-dessus. Ils étaient en smoke au début. C'est l'engage raté de la Batrider qui les met dedans les Empire. Et c'était elle a beau commencer à faire des critiques. Bah, 2 contre 5, ils vont pas pouvoir défendre. Quoique NTH met du temps à push pour l'instant. Bon, cette tour elle est probablement condamnée, mais la Batrider. Pas de chance parce qu'elle ne sait pas choper cette Batrider. T'as le bounty derrière elle. Allez, un petit slow qui est parti. Abyssal Blade qui a été utilisé par ce Bounty Hunter. Où on va tenter de tout le mettre. Non, j'ai rêvé. Non, il y avait bien le Abyssal Blade qui a été utilisé, mais qui n'a pas duré bien longtemps. Et le deck a l'air un peu rageux. Il se fait choper à chaque fois par la Batrider et du coup fait un petit flame au chat. gold d'ailleurs sur ce Void. Et Empire qui vient quand même de bien se faire calmer. Ils ont perdu une tour en plus dans l'histoire. Ils sont morts quand même à 4 en tout si on compte la Batrider. Ça commence à faire beaucoup. Oh ben voilà, le Valor Discord qui a été complété par Goblack. Check les poules. Il n'y a pas un spécialement gros ici pour l'instant. Noir probablement. Ouais. C'est vraiment bien de voir qu'Empire a compris la façon dont jouer Nothing Hunter et qu'ils tentent de les contrer sur leurs points forts. Qu'ils les laissent pas poser leur jeu. Mais bon, on sent que Nothing Hunter commence quand même à reprendre du poil de la bête. En termes d'équipe, on est de retour à 0 en termes de gold. On y est presque, puisqu'il reste encore 3 tours à récupérer pour Nothing Hunter. Possiblement 3000 gold. Et ce Bounty qui commence à faire mal. Void aussi. Même la Lina a du stuff, hein. Elle fait une très belle gueule cette Lina. Même le Magnus, c'est 4000 gold. Ses bonnes dernières actions. Même level 20, ce
Magnus. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va bientôt être dans une partie où tout le monde aura un level 16 minimum. Le trader qui va esquiver l'engage. Grâce à sa voix. Non, non, elle a juste bien senti le coup venir. On est dans une game où tout le monde va être level 16. Voilà, c'est fait pour le Jakiro, c'est fait pour le Bane. Il reste la Lina et le Venomancer. Et tout le monde aura son level 16. Tout le monde a du stuff. C'est vraiment une game intéressante où personne n'est laissé à la traîne. Pour l'instant, tout le monde joue bien. Et du coup, ça va nous donner un late game très intéressant qui va pas être juste deux carrés qui se tapent dessus. Et qui va être bien plus que ça. 5100 gold sur ce Magnus, on lui laisse l'argent. Probablement pour qu'il finisse un item. Je pense à une cuirasse personnellement. Et je crois qu'il l'envoie le chic avec Refresher. Refresher qui va donc arriver sur ce Magnus. Et ça va être embêtant pour Empire. Il va falloir le gérer ce Magnus. Le problème, c'est qu'il tank déjà beaucoup. Empire qui du coup pour la première fois depuis le début de la game décide de jouer un peu passif, une gemme qui a été achetée sur cette Batrider pour gagner un peu de visu, un peu de map control. On sait qu'à ce stade du jeu c'est très important. Avoir du map control, ça veut dire que vous pouvez farmer à des endroits que vos adversaires ne peuvent pas et les maintenir sous pression. Passer en Firefly, regardez où il y a des wards, elle va trouver celle-là qu'elle va pouvoir enlever. Ping est dessus d'ailleurs. Et ça va, c'est moi que j'ai le sentiment côté No Tide Hunter. On est tous regroupés dans la base. Pas, ils en ont pas pour l'instant. Le Void qui va partir sur un Butterfly en commençant par le Talisman d'évasion. Ça commence à être dur à tuer avec. Avec Butter, puisque je vous rappelle que l'évasion du Butter fonctionne avec celle du Backtrack. Quand vous prenez une attaque, d'abord le jeu se demande si vous allez esquiver l'attaque avec votre butterfly. Et une fois que vous prenez les dégâts, le jeu se demande si vous allez bloquer les dégâts ou pas. Ça vous donne vraiment un gros potentiel de survie. J'ai cru qu'il va lancer un espace pour donner un peu de vision sur le dessus. Parce que Roshan est de retour, ça va être le prochain endroit de bataille. Batrider qui est parti. Ah, elle a été vue malheureusement par la Ward Veno. Ouais, elle a peut-être vu le Bounty Hunter qui vient de passer invisible, mais elle a une gemme. Hein. Elle a une gemme, elle va donner la vision à ses coéquipiers pour l'instant. Parce que maintenant elle a plus de Firefly pendant encore une trentaine de secondes. Il faudrait qu'il s'en aille, Phoenix, je pense. Oh bah il est parti. Il a réussi à trouver le Void qui va se faire choper. Temps de reculer, c'est bien. On kite bien le fight pour l'instant. La chrono qui a été posée sur juste le Sven. Et on va lui mettre l'ulti du Bane sur ce Void. Bon, le Sven a quand même juste complètement implosé. Le refresher qui a été utilisé sur le Magnus. Qui cherche une opportunité pour être son deuxième ulti, mais qui va se faire slip pour le moment. La Terre qui va récupérer un double kill en récupérant le Venomancer. On va. Oh, magnifique. Là qui se fait bloquer sur le dessus. Bulldog qui tente de fight, de récupérer ce Bane. Ça va passer. On a eu un buyback. C'est le Sven, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas qui a buyback du coup. On a envie d'y retourner côté Empire, on a envie d'y aller aussi côté No Tide Hunter. Ça devrait se rentrer dedans assez rapidement. Bien joué de la part du Magnus qui esquive l'Icepass en blinkant derrière ce Jakiro qui se trouve du coup complètement seul. Et qui va tomber. On reste du coup sur pour l'instant 2 personnes en vie contre 3 personnes en vie. Et on est à 37 à 35 au kill score. Donc No Tide Hunter a l'air d'avoir pris l'avantage. J'ai pas bien vu qu'il y avait buyback. C'est quoi le truc de buyback? Je trouve pas. Oh attention, la Batrider qui est de retour, qui va récupérer le Bounty avec son ulti, la TA qui arrive et l'ulti Magnus qui était de retour grâce au refresher qu'il a utilisé tout à l'heure. Et il devrait récupérer un kill, peut-être deux, oui deux, mon dieu ça coûte cher à Empire cet ulti Magnus. Il s'y attendait pas du tout je pense, et il y a un cheese à récupérer qui va être probablement pour le Magnus. Ou pas, hein. Ils vont le laisser au Bounty Hunter. Bounty qui a complété d'ailleurs Saven Albert. Ça commence à devenir dur pour Empire, bon, moi j'aimerais bien savoir qui avait buyback quand même. Et bah personne, c'est-à-dire que c'est un. J'ai bien entendu le bruit du buyback, j'ai pas rêvé quand même. Ah, c'est le Void qui serait fait tuer par l'ulti Bane et qui aurait buyback après. Ouais, c'est possible ça.
Je l'ai suivi jusqu'au moment où il a pris l'ulti du Bane sur le dos et ensuite je l'ai un peu perdu de vue. Oh là là, il commence à faire beaucoup de dégâts ces No Tidehunter. Ils vont venir peut-être entamer la tour en bas, pas du tout. Ils vont s'enfuir. Ils jouent la sécurité pour l'instant. Putain, regardez le stuff de ce Bounty Hunter qui est dur à tuer. Hein. 2200 HP plus un BKB plus une Halberd. Il y a une gemme au sol qui ça ping partout, qui est cassée par le Bounty. C'est ça qui a été cassé par le Bounty? Probablement. Et Void lui, probablement, vient d'acheter son butter. Et il vient d'acheter son Eagle Song, donc il lui manque encore 900 gold avant le butter. Ça va vite hein, pour un Void. On va voir s'il décide de terminer son Mjolnir plus tard. Ce qui est marrant, c'est que si on regarde son guild score à The Void, on pourrait se dire oh, il fait pas une très belle game, 5, 6, 12. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est embêtant pour Empire? Rien que par sa présence, rien que par le fait qu'il puisse poser une chrono sur 5 personnes, il oblige Empire à jouer d'une manière qu'il ne voudrait pas. Est-ce qu'il va se libérer un slot, ce Void? C'est ça, il va vendre son Madness pour acheter son Butter et garder un slot pour le TP. Étonnant. En tout cas, Empire qui est une position très défensive depuis tout à l'heure, qui arrive plus trop à débloquer la situation. Notre qui joue bien groupé pour l'instant. Et ça a dessiné en haut. Notre qui va tenter de clear leur bois. Sauf qu'Empire est juste à l'opposé complètement de la carte. On est en smoke, putain, la TA a du stuff aussi. Le problème, c'est que le late game avec TA, c'est jamais facile. Il y a tellement de trucs qui vous font. Qui vous tombez vite. Elle a seulement 1500 HP, cette Templar Assassin. Et sa réfraction au stade du jeu, ça tombe très très vite. Soit avec l'ulti Veno ou quoi que ce soit. Et ça y est, ils ont vu que tout le monde était à gauche. Ils vont TP, ils ont envie d'engager maintenant les Empire. Ça me paraît audacieux tout ça. Là, c'est parce qu'il va toucher sur le Void. Du Albrecht à suivre. Void qui pourrait juste mettre la chrono de sa vie là-dessus. Hein. On a beaucoup de gens groupés. Et il va partir sur le Bane qui est parti avec son Ghost Scepter qui va mettre l'Enfeeble sur ce Void. Le Void qui se fait ramener en arrière. La personne pour l'instant qui tape dans la chrono qui a été posée seulement sur le Sven. L'ulti Magnus. Oh, il met tout à ce Sven. C'est scandaleux. C'est complètement scandaleux le Sven. D'ailleurs, qui vient de buyback. On a des buybacks un peu dans tous les sens. Le Void qui va probablement tomber là-bas sur la droite de la carte. Non, il arrive à tenir en vie pour l'instant. Il a un peu de life steal avec le Vlad. Ça permet de récupérer les kills. Et le bon, il tanque tellement ce Bounty Hunter. En plus, il y avait le Chiss pour se remettre full HP. Mais là, c'est bon. Un critique qui a touché. Il a eu 3 mises d'affilée, je crois, de la TA. Vraiment surprenant. Et donc, Nota Hunter qui a absolument tout mis sur ce Sven. Qui a plus buyback, revient dans la fight. Et Empire qui va tenter de contrer. Parce que là, ils lui ont mis une chrono, un ulti Magnus. Alors, on a un buyback de près sur ce Magnus d'ailleurs. Un buyback de près sur la Lina. Et un buyback de près sur le Bounty Hunter. On devrait pas tarder à entendre tous les bruits. Non. Ils veulent pas défendre le mid. Ou alors, ils considèrent que Empire va juste pas y aller. Ils veulent garder leur sous. C'est ça. Que la tour prend quand même déjà beaucoup de dégâts. Attendez, qui va la faire tomber. Et le buyback de Magnus qui est fait. On va regarder celui de la Lina, on va regarder celui du Bounty Hunter. Toujours intéressant. Surtout quand on voit tous les sous qu'ils ont en banque. Il y avait 5000 gold sur le Magnus, 5000 gold sur le Bounty. Et mine de rien, cette Lina qui est très proche d'un ex. Hein. C'est pour ça que c'est bien qu'elle ait pas buyback aussi. Et l'autre chose qu'il faut signaler, c'est que le Bounty, c'est lui qui a le plus d'équipement sur lui, c'est lui qui a le plus d'argent dans son stuff. C'est-à-dire plus que la TA, regardez le stuff de la TA. Et bien, il a plus que ça, son équipement vaut plus cher que ça. Avec son Abyssal Blade et tout, c'est quand même vraiment impressionnant. Lui qui a commencé en hard lane. Et notre Void qui va partir sur un Daedalus à suivre. Pas même je le lire.
tapé fort hein, avec l'Embower. 173 puis 199. Regardez les levels quoi, c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de haut level dans une game. Si là ça commence un peu à se creuser entre les supports et les carries. Ça devient dur de jouer un Jakiro dans une game pareille, ça devient dur de jouer un Bane aussi. Le Bane a souvent du mal à se placer. Et pour cause, hein. En face on a un Magnus qui va sauter dans le tas, on a un Void aussi. C'est vrai que le pick de Motainator est sympa, c'est que s'il focus le Void, le Magnus peut venir contre engage, et s'il focus le Magnus, le Void peut venir contre engage. C'est vraiment terrible pour Empire. Le seul moment où ils ont vraiment réussi à bien prendre ces teamfights, c'est quand, bah, tout à l'heure je vous l'avais dit, le Bane était bien placé, il a chopé le Void sans pouvoir se faire choper par le Magnus. Et du coup, ça les a bien aidés. Je pense qu'ils sont bien repassés devant en termes de gold. Ah non, on est toujours à 0 en termes de gold, c'est vraiment impressionnant. Empire qui tient la cadence. Ils sont tombés derrière en termes d'XP après avoir perdu ses fights. Mais ils tiennent la cadence pour le moment en termes de gold. On va voir la question, c'est est-ce que ce Sven un jour va réussir à taper? Parce que s'il tape, il casse des gueules. Mais pour ça, il faut qu'il arrive à taper. Malheureusement, ça me paraît compliqué. Qu'on a vu qu'ils n'hésitaient pas à tout lui mettre, les Notable Hunter. Pas trop peur de cette TA pour l'instant. Pour l'instant, il a vu le stuff qu'il a. Elle est full stuff, hein. Elle est décrite à 1200. Ouais, pourrait encore vendre ça d'ailleurs, peut-être. Mais bon, c'est quand même un très très bon tool de positionnement, cette d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle devrait faire à ce stade du jeu. Une cuirasse pourrait être sympa. Ou de la survivabilité, je sais pas. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'elle pourrait avoir plus d'impact que ce qu'elle fait déjà. C'est un BKB tout simplement, elle se fait rouler dessus par l'ulti Veno. Parce qu'à chaque fight on la voit vers la fin de la fight, on la retrouve assez low HP avec l'ulti Veno qui lui a enlevé tous ses PV. C'est vrai que ça. Ah non, le mecha est sur le Jakiro, j'ai rien dit. Peut-être qu'il y a un peu avancé hein, d'être tenté de le go. Toute sa team derrière. Et notamment un Magnus avec Dagger plus Skewer. Oula, Panther qui est parti en l'air, ça va partir. Hein. Elle est partie sur le Magnus, attendant de le ramener sur ses potes. Mais derrière, on a une belle chrono qui a été posée sur deux héros. Il y a l'ulti Bane qui va être posé sur ce Void qui pour l'instant ne peut pas fight. Oh mon dieu, cet ulti Magnus qui prend 3 personnes. C'était le deuxième ulti du Magnus. Et il reste seulement le Sven qui est absolument seul, qui a beau faire des gros gros dégâts, qui va se faire récupérer par le Void. Double buyback. C'est la TA qui a buyback pour Empire. Et c'est le Bounty Hunter qui a buyback pour Notable Hunter. Et c'était bien parti pour Empire. Hein. Ils avaient bien géré leur histoire, ils chopaient le Void. Le Magnus avait mis un ulti pas terrible. Sauf que le Magnus arrive fraîche. Et du coup, derrière, on a un deuxième ulti qui arrive. Ça surprend. Ah, il va finir son Jolnir avant de finir l'Edulus, tiens. Non. Et donc, une nouvelle fight qui termine à l'avantage des Notable Hunter qui commence vraiment à s'enflammer. On n'est toujours pas à l'abri d'une erreur hein, qui pourrait leur coûter la game. Mais bon, ils ont tous des buybacks pour le moment. Ça s'annonce compliqué pour Empire, pour retourner la tendance, hein, le Hexe qui arrive sur la Lina. Le Bounty qui lui aussi va faire des critiques. Est-ce qu'il peut faire deux critiques en même temps? Et Roshan creep au moment où l'Oda saute dessus. Parfait. Il y a un slot en plus pour la Aegis. Il n'y en a plus sur Bounty par contre pour prendre le cheese. Le laisser au Magnus cette fois-ci. Un peu focus quand même. Empire qui va venir défendre alors que. Ouais, là, il faut qu'il défende à gauche. Là. Alors, Aegis sur le Void, Cheese sur la Lina, puisqu'elle utilise sa dose pour se libérer un slot. Veno lui aussi une Alberde. Parce qu'ils ont deux Albertes pour contrer le Sven, quoi. C'est que même si Sven a réussi à rester en vie, avec son BKB qui dure maintenant plus que 8 secondes. Ou alors que le Void est parti au mid, il va activer son BKB. Pour l'instant, ça le tient en vie, l'ulti qui va partir sur ce Bane qui s'en sort à 300 HP. On va lui mettre la chrono à ce Bane, c'est peut-être un peu too much. En tout cas, il est mort. Il
Tiens, il a pris cher ce raid. Un nouveau slow qui est posé de la part de la TALEX qui est parti maintenant sur la Batrider. Le Magnus qui va charger, qui met l'ulti sur 3 personnes. Oh mon dieu, c'est un carnage. On a le Sven qui arrive par derrière, ceci dit, qui va pouvoir taper. Ah non, il s'est fait stun. Je crois qu'il s'est fait stun par l'Abyssal Blade. Il va pouvoir buyback. Et GGK annoncé par Empire. Waouh. Quelle belle maîtrise de la part de notre Tidehunter qui a été poussé dans ce retranchement par, par Empire et ça n'a pas suffi. Oh, il rate tous ses coups. Il a juste raté 3 coups d'affilée sur ce Void qui est très low HP. C'est ce qu'on vous disait avec le backtrack et l'évasion. Il a 30% d'évasion et il a. C'est où le backtrack? C'est là. Il a 25% de chance d'esquiver des dégâts. Qu'ils soient d'ailleurs magiques ou physiques. Très très belle game de la part de notre Tidehunter. Comme je vous disais, bien agressé par Empire en early game. Ils ont souffert, mais ils ont tenu au kill score. Et ensuite, ils ont monté petit à petit en gérant bien mieux leur teamfight qu'Empire. En ayant peut-être tout simplement un pic supérieur en teamfight. Parce que Magnus, c'est un peu l'assurance de la victoire en teamfight. Et on va se retrouver très rapidement pour la deuxième game de cette demi-finale.